Hey, salut à tous, c'est Narcisse, on se retrouve pour le 35e épisode de Fallout New Vegas. 35e Vous êtes de épisode. retour. Il a une bonne tête, lui. Vous m'accusez d'avoir du matériel à vendre sous le comptoir pour quelques clients seulement? Attention, c'est une affaire sérieuse. Peut-être que je ferai. Alors, attends. Je sais me montrer utile, on pourrait peut-être faire un deal. Là, on parle la même langue. J'ai un inventaire assez fourni pour les gens de Ah, confiance. voilà! Si vous acceptez de bosser pour moi, Je pourrais vous je laisser pourrais vous laisser piocher. piocher dans ce que j'ai, à un bon prix. La plupart de ces articles ne sont pas disponibles dans la RNC, et il serait difficile de les trouver ailleurs à meilleur prix. Ah, nickel. Ça me paraît bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah ouais, je peux pas vraiment me promener dans la base quand j'en ai envie, vous voyez. Ils sont déjà un peu méfiants. J'entends déjà la PM dire « Contre race, je ne savais pas que vous aviez tant d'amis chez les Gunrunners. » D'ailleurs, devinez où vous allez maintenant. Vous allez faire passer une note à un certain Isaac pour moi. Je veux savoir quelle fille il aime bien. Isaac. Super. Répétez-moi ce qu'il dit. Ils sont presque tout droit au nord d'ici, après les fermes. Au revoir. Ah putain, c'est pas une mission qu'il me donne, c'est un vieux bout de papier. Alors Isaac, j'ai besoin d'augmenter les quantités d'armes et de munitions. Non. Alors par contre, il m'a dit que c'était... Selecting. Alors j'ai deux lettres justes, donc ça doit pas être selecting. Indéterminé. Ça doit être le IN en fait. Tâtive récupérée. Ok, on va voir Isaac chez les Gunrunners et puis on va revenir. Alors les Gunrunners, il a dit que c'était au nord d'ici. Ah, ils sont là. Alors j'ai décidé de vous passer les moments, les différents moments. Ah bah il est là-bas Isaac, putain. Oh ça tire là. Le mec mort là. Bon Isaac attendra hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'était des tox. Bon il y en a un qui est mort. Hop. Ça c'était pas. Ah c'était un marchand itinérant, nickel. Du coup on va pouvoir voler tout ce qu'il a. Ah un steampack, nickel. Ah bah du coup il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Bien sûr, bon. Il va ramper pour mieux me cacher. Voilà, il n'y a plus de preuves. T'as les tox avec des fusils laser, non mais. Ok, il y a quand même un petit problème là. Ça, et donc j'avais dit qu'on allait voir Isaac. Mon vieux pote, il sait. Par contre, ouais, faut que je baisse un peu certaines choses au niveau des graphismes. Il est là, Isaac. Putain, je sais pas où il va, ce PD, là, mais bon. Isaac, Isaac! Attends-moi! Ou je te renvoie dans Bing Bing of... Qu'est-ce qu'on rigole. Salut. Besoin d'un coup de main? Assez, ouais. C'est contraire à ce que m'envoie McMahon, a besoin de beaucoup plus d'armes et de munitions. Merde, il est sérieux? 25% d'armes en plus, c'est faisable, mais 50% de munitions, c'est n'importe quoi. On n'a pas de quoi répondre à une telle demande. Ah, les Gunrunners savent refaire des armes à l'état neuf. Vous faites des nœuds au cerveau. Acheter les marchandises aux autres marchands du coin, c'est facile. Non, on prend ça. Vous avez raison. On pourrait remettre en état des armes usées et endommagées pour honorer la commande. Ben oui. Elles seront comme neuves. Et on pourra faire des munitions à partir d'anciens étuis. On devra attendre la poudre quelques jours, mais ça devrait aller. Dites à Contre-Race qu'il aura ce qu'il veut en plus dans la prochaine livraison. Bah nickel. Plus tard. Plus tard. Bon. Juste aller voir le petit robot pour aller vendre mes affaires. Bonjour, bienvenue. Monsieur ou madame. Désiré. Je suis... Ah, tu vends quoi en fait? Adieu de phase. Putain, il est bien celui-là. Le prix aussi, il est pas mal, hein. Putain. Beaux-Arts. Beaux-Arts? C'est des beaux!
T'as jamais joué avec cette arme? Bon, c'est pas grave. Bâton médecine. Ah bon? Là, je suis deg, je voulais trop l'essayer. Carabine tir d'élite. Dodo. Le machin s'appelle Dodo. Il est silencieux apparemment. Heather. Oh putain! Un fat man quoi. Ah là, il s'appelle Fat Man, il s'appelle pas Gros Tom. Fat Min. Oh sérieux? C'est des malades. Fusil antimatériel. Fusil de chasse. Fusil de guerre carrément. Fusil antimatériel. Ils vont détruire mon. Oh! Gaina. Oh là là, l'épée en feu quoi. Minigun. Trop jaloux quoi. Putain, justement j'avais autant d'argent. Tronçonneuse. Putain, ah, j'ai pas vendu. Non, je vais pas vendre au final. Revenez. Ouais, c'est ça. Je vais m'arrêter à 40. Oh, salut. Vous n'êtes pas au bureau des relations publiques. Si vous ne venez pas pour une prime, allez voir le colonel. Vous avez d'autres primes ouvertes? Oh, ça oui. Driver Nephi. Vous avez du cran, je dois le reconnaître. Nephi est un sacré morceau. Si vous le laissez approcher, il vous éclatera la tête. Voilà mon conseil. Allez voir le lieutenant Gorobets. Il commande l'équipe Alpha du premier de Rocco, les snipers. Si vous avez de la chance, vous pourrez attirer Nephi à découvert, et les snipers l'abattront. Tant que vous m'amenez sa tête, vous touchez la prime. C'est plus sûr que d'affronter Nephi face à face, mais c'est à vous de décider. Dans la cour. Ok, dans la cour. C'est la dernière prime apparemment, Nephi. Nephi, on va s'en occuper juste après avoir aller voir contre Race. Je crois qu'il est dans l'abri 1 ou je sais plus combien et quel abri numéro. Bonjour, vous êtes de retour. Isaac dit que la prochaine cargaison contiendra des armes, les armes et les munitions supplémentaires. Très professionnel, ça me plaît ça. Je pourrais peut-être vous confier quelque chose de plus important. Je t'en prie. C'est tout? S'il y a une autre course à faire. C'est vrai, je suis qu'un pauvre trafiquant d'armes. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Un mercenaire? Désolé de vous faire perdre votre temps. L'enculé. Bon ok, c'est bon, c'est quoi ton travail? Génial. La Crimson Caravan a quelque chose pour moi. Bah c'est tant mieux, je dois y aller. Cherchez Blake. Et dites-lui que vous récupérez les réserves médicales de contre-race. Ça a l'air simple, je m'y mets tout de suite. Merci, ne revenez pas avant de les avoir. La Crimson Caravan s'est installée au nord-est des Gunrunners. Blake est dans le bâtiment principal. Oh là là, il est relou avec ses quêtes lui. Bon, du coup, ben on va y aller, hein, au camp McCarran. Parce que de toute façon, je dois y aller. Ah, il y a des gens là-bas. On va leur présenter la masse. Vous savez, la masse. Épisode 7-8. Bonjour. Je crois que c'est des camés. Salut. Salut. Enchanté. Enchanté. Il est cinglé, ce mec. Bon. Ah. C'est pas du tout... C'est pas du tout ce à quoi je pensais, par contre, quand je disais quand McCarran. C'était un petit peu là où je... là d'où je viens, quoi. Oh merde, la loose. Ils sont où les autres PD, là? Bon, tu sais quoi? On va être malin. On va la retourner voir Alice McLaffer, lol. Mais what? Attends, c'est où? Le mec, il s'est perdu, mais complètement, quoi. Ah bon, la meuf, elle s'est envolée, là-bas. Y'a pas de soucis. Alors... Ça me dit pas où c'est par contre. Ah voilà, c'est... Ah ouais, j'étais plutôt loin du compte. Je me dis bien, il y a marqué... Quand Macar... Attends, mais il y a un problème là. Tu sais, j'ai même pas réfléchi à ça. Tu sais, le camp il s'appelle McCarran. C'est le camp où on y va depuis 2 épisodes, on va dire. Alors la Crimson Caravan, là on est d'accord. Aldap Rocketeers. Alors... Normalement j'allais voir l'autre salope. Alors le bâtiment principal, il est où? Ah, je sais. Il est avec les McLaferty, je crois. Ils sont dans le même bâtiment. La mission est juste là. Salut, vieille femme. Vous saviez qu'il s'agit de beaucoup sur le strip. Vous revoilà. Eh oui, désolé. Tiens, je te facture. Bien. Vous avez fait preuve de sérieux jusqu'à présent. Voudriez-vous vous occuper de tâches plus importantes?
Quel genre de boulot vous proposez ? Je préfère m'occuper de tout moi-même, mais malheureusement, je n'ai pas le don d'ubiquité. J'aimerais résoudre une négociation avec un petit commerçant. Ah, il faudrait que ça aille vite. Il y a aussi le cas Henry Jamison, un employé dont j'aimerais me séparer. Mais il est pistonné par sa famille, ce qui rend les choses difficiles. Et enfin, j'ai besoin de quelqu'un pour récupérer les plans de fabrication des Gunrunners. Oh là là. Discrétion exigée. Aucune alarme, aucun mort. Mmh. Avec Henry. Les Jamison sont des propriétaires terriens influents à Redding, en Californie, qui ont beaucoup investi dans la Crimson Caravan Company. Assez on m'a forcé à nommer le jeune Henry comme responsable de la filiale de New Vegas. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas fait pour ce boulot. Il s'intéresse beaucoup plus aux jeux et aux prostituées. Mais à cause de sa famille, je ne peux pas le virer comme ça. Il faut convaincre Henry de démissionner, d'une façon ou d'une autre. Je ne veux plus verser de salaire à un employé qui ne sert à rien. C'est vrai. Bah ok, alors. Hein. Alors, il va falloir trouver quelque chose. Ouais. Je comprends. Je ne vous en veux pas. En revanche... Voilà. Alors, Blake. Blake, alors logiquement, il est... Ah bah, ça doit être lui. Mac Laferty est encore une fois... Vous pas avez besoin de quelque chose? Pas du tout. Ah, il travaille? Non, il va me dire de m'adresser à l'autre salope. Je suis dans le bâtiment principal, là, non? J'ai forcé le coffre. Il semble que j'ai déjà regardé dans le coffre. Ouais. Espérons que mes articulations... Faire un temps, boss. Fait trop bien. C'est pas le bâtiment principal? Non, c'est les bureaux principaux. Alors, pour trouver ce vieux PD, là... Puf. Non, c'est Jeannette. Jeannette? Bonjour, je cherche Blake. Oh, quel enculé. Attends. Mais viens là, enfoiré. Viens là. T'as le gay. Ah, voilà. Bonjour, vous voulez acheter ou vendre quelque chose? Bah, contre grâce, m'envoie chercher du matériel médical. Tenez. Et dites-lui qu'il devra faire un autre versement s'il veut plus de marchandises. Ils ont quelque chose de spécial, ces marchandises ? Eh ben, les antalgiques sont faciles à trouver, mais pas l'iode ou les médicaments contre les allergies, par exemple. On pourrait en associer certains et d'autres produits chimiques pour faire de la drogue. En les associant à des nettoyeurs chimiques, on donnerait des substances puissantes. C'est vrai ? J'y avais jamais pensé. La Crimson Caravan ne s'occupe pas vraiment de trafic de drogue. Je comprends. Je comprends. Bordel de merde. Convaincre Henry Jamison, nanana. Ouais, évidemment, il est dans Freeside. Alors, on va aller à Freeside, vite fait. Welcome to Freeside, Freeside, Freeside. Welcome to New Vegas. Non, ça le fait moins. Welcome to Freeside. J'y sais pas. Freeside. Alors, par contre, je dois le trou. C'est pas par là. Ah, je sens que ça va me saouler. Hello. 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 T'as le mec. Mais qui pète des câbles. Ah, oh. Ah, mais il se fout de ma gueule en fait. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs points sur la carte. Donc, on va s'occuper de Cass en premier. Attends, est-ce que j'ai tué les Von Graff? Si je les ai pas tués, ça va être dans la... Ouais, voilà quoi. Alors, je vais par là. Ah non, là, dans un bâtiment, la casse. La caissinette, elle est là. Elle a rencontré Cass. Bonjour. Ah. Elle est là, la dame. Bonjour. Allez, on va se jouer un peu RP. C'est pas facile, hein. Hein. Je te parle. Vous cherchez des ennuis? Oh non, non. C'est la Crimson Caravan qui m'envoie, cette société veut acheter votre caravane. Ces gens veulent acheter la Cassidy Caravans? Ils ne savent pas que la société est grillée jusqu'à l'os?
Non. Malgré la situation, je n'ai pas très envie de vendre. Même pour tout le whisky de Renault. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre caravane? Le Morave a frappé. Enfin, des raiders bien armés. J'ai du mal à croire que la Crimson Caravan ne soit pas au courant. Bon, si vous voulez acheter la Cassidy Caravans, vous avez tout le stock devant vous. Mais je n'ai quand même pas envie de vendre. Pourquoi pas? Si quelqu'un venait vous offrir un millier de capsules pour votre nom, vous vendriez? Vous? En fait, laissez tomber. Je ne veux même pas entendre votre nom. L'important, c'est que c'est moi qui ai fait cette caravane scanner. Oh putain. Elle est à moi. Mais mon précieux. J'ai la proposition ici, les conditions sont correctes. Alice McLaferty, hein. Non, je vois les zéros. Et je sais qu'elle sait compter. Mais ce n'est pas une affaire d'argent. Papa se retournerait dans sa tombe s'il apprenait que j'ai vendu notre nom. Vous êtes sûr? Écoutez, je sais que vous avez fait tout ce chemin. Et ce n'est pas rien. En particulier ces temps-ci. Merci, hein. Mais je trouve que c'est mal d'échanger une histoire contre un bout de papier. Ah, j'ai bien ajouté cette... Wow, on va se calmer. On pourrait peut-être jouer ça autrement. Cet avant-poste est le dernier endroit où se... Où se faire piéger. Si vous avez fondé la caravane, vous êtes responsable de sa disparition. Cet avant-poste est le dernier endroit où se faire piéger. Hein. C'est un bon argument. Je restais ici à cause des papiers de la caravane. Mais je suis sûr que ce bar en a assez de me voir. Mais Jackson ne me lâchera pas tant qu'il y aura des problèmes dans le Nord. Réglez les trucs avec lui. Aidez les autres. Je signerai ce papier si ça me permet de foutre le camp. D'accord, mais c'est qui Jackson? Nettoyez les routes pour que Jackson... Et Jackson sans que Cass ou quelqu'un d'autre ne vous remarque. What? Sérieux? Ils sont... What? Oh, bah, merci. Oh, c'est optionnel, mais what? Bon bah, écoutez, t'as qu'à tuer Cass pour qu'elle vienne. Négocier avec Cass. Peine de cure, voilà. On va d'abord lui parler hein, avant de le tuer. On fait toujours ça. Alors attends, parce que le Jackson, il est où? Il est où le Jackson, il est où? Ouais, c'est le Jackson qui est juste là. Est-ce que c'est... Non, c'est pas lui, c'est à l'intérieur. Ah, Jackson, c'est pas le noir, c'est... le mec qui a son chapeau de cow-boy avec ses lunettes du gros porc. Je sais où il est. Il est là. On dirait que le vieil enclos à Bramine a reçu de la visite. C'est rare que les gens s'arrêtent ici. En général, ils ne font que passer. Et si vous êtes de passage, vous avez mal choisi votre moment. La route du Nord est mal fréquentée. Toutes les caravanes se font massacrer. Je suis là pour vous aider. Bien, il était temps qu'on voit arriver un soldat, et pas une recrue encore. Vous avez l'air d'avoir de la bouteille. Il faut que je fasse partir les caravanes, ce qui veut dire dégager le chemin au Nord. Il y a trop de saloperies sur l'asphalte pour l'instant. Ok. Merci, j'apprécie. Ah putain, j'y ai passé. Ah, trouverez-vous le courage? Oh mon dieu, les quêtes. Aligner les bestioles au lac Ivanpa. Oh non. Me dis pas que c'est des casadors parce que j'ai la phobie de ces saloperies. Jones qui regarde tout ça. Il a tous le cul. Quoi? Bon. Alors. C'est les fourmis. J'aurais pas dû me TP ici. Attention les rats de scorpion. Ah bon? Le jeu a arrêté de fonctionner.